Thank you very much for being here. I'm sorry I don't speak French. How do they say? Je ne parle pas français. Sorry. Actually, there's nothing to say about the movie, because if I have to tell you about the movie, what will the movie do? It should speak for itself, right? Mm. The movie is about, I wanted to make a movie about a love story during a journey, because I think that an external journey can very interestingly become the metaphor for an internal journey. Oui, voilà, j'ai bien sûr rien à dire sur le film que vous avez regardé, c'est quand même la meilleure chose à faire. C'est un film sur l'amour, c'est un film sur le voyage, c'est un film sur le voyage qui devient une métaphore de l'amour. The only thing that I feel that the best love stories in the world, I think, are the ones that are set against a background of hate, because it makes the emotion of love more poignant. Moi, je crois que les meilleures histoires d'amour du monde sont celles qui s'appuient sur la haine, parce que la haine fait que l'amour est quelque chose d'absolument fabuleux finalement. So I try to do that, and I hope you like the film. Thank you. Merci tout d'abord parmi tous ce magnifique film. Je pense que vous l'avez apprécié aussi. Vous avez apprécié. Aparna, vous avez dit qu'avant le film que c'était évidemment une très très belle histoire d'amour, mais c'est aussi un film très politique. Vous voulez que vous nous rappeliez un peu le contexte dans lequel vous l'avez écrit et si des faits divers ou des choses réelles vous ont inspiré dans l'écriture du film. There is a history of communal clashes in my country, when I was making the film, as I said earlier, I feel that the best love stories that we have seen have all mainly been against the background of war. There has not been any war in my country, at least not during my lifetime, but there has been violence. So I tried to use that violence as the backdrop in order to bring out the poignancy of love, because just as human beings are capable of extreme hatred, they're also capable of love, and this love can help them get over their differences. Voilà, comme je l'expliquais juste avant le début du film, dans toute l'histoire, enfin, c'est une histoire un petit peu de clash, d'affrontement de communautés dans mon pays. Et en fait, derrière toute histoire d'amour, il y a souvent de la haine, une base de haine. Et en fait, dans mon pays, en Inde, il n'y a pas forcément eu dernièrement de guerre en tant que telle, mais il y a beaucoup de violence basée sur la haine des communautés. Et comme je le disais, derrière toute histoire d'amour, toute histoire de haine, il y a de l'amour. Voilà, et c'est un petit peu ce sur quoi je voulais travailler dans ce film. Et par là, comme on le sait, pour les films très politiques, par exemple Deepa Mehta ou Anurag Kashyap, quand il a fait son film sur les enfants familiers, il y a eu des réactions de certains groupes extrémistes. Alors, je voulais savoir comment le film a été reçu. No, actually, my film was accepted because I don't think I tried to blame either of the two communities. I didn't try to blame anyone. It was all about how human beings are capable of violence, but they're also capable of getting over it and taking care of one another in spite of their differences. So I think it. Many people found this a very soothing film. Oui, en fait, dans mon film, c'est pas tellement je n'accuse pas ou je ne blâme pas une communauté ou l'autre. Je crois que tout être humain est capable de violence, mais aussi tout être humain est capable d'amour en face de cette violence. Et moi, j'essaye de montrer que dans ce film, on peut avoir de l'amour derrière une certaine violence, une certaine forme d'agression. Néanmoins, vous êtes quand même critique, vous faites avec humour parfois, mais sur les préjugés, même la jeune femme.
sujet que vous critiquez. Young woman, she thinks about other things about the community than silent voice. Oh yes, yes, I have criticized that, but at the same time, I have been sympathetic to the young woman. I have understood that she comes from a certain background, so it's very difficult for her to get over her conditioning. But she does. I mean, finally, in the ultimate test, she does get over it. And in spite of her being revolted by the fact that she's Muslim, because that's what she's been taught to believe all this time, she does get over it, and she does introduce him as her husband. No, I was not really criticized. In fact, I got the award for national integration. Oui, c'est vrai qu'il y a des préjudices, mais je pense que cette jeune femme n'en a pas vraiment, en fait. Je pense que cette jeune femme, elle essaye d'aller au-delà de ce que sa culture lui a enseigné. C'est vrai qu'elle passe un certain nombre de tests, mais finalement, elle présente cet homme qu'elle rencontre dans son voyage, elle le présente à son mari. Comme et son mari. J'ai même eu des... Comme son mari. Non, elle le présente à la fin du film, elle le présente à son mari. Et j'ai même eu des prix d'ailleurs dans mon pays comme, parce que j'étais au-delà des préjudices de culture et de religion. Et cette jeune femme, donc, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, c'est la fille de Parnassel, comme Pierre Lassel, qui est une actrice qui a une grande carrière en Inde, et elle a reçu aussi une récompense nationale pour toute cette interprétation. She got the Best Actress Award for the National Awards, yes. Oui, elle a eu une récompense comme étant la meilleure actrice en Inde, effectivement, un prix pour son rôle dans ce film. Est-ce qu'il y aurait des questions? But what was interesting, if I may just add this, is that the day we finished the shooting of the film, that was the 28th, I think, of February, and that day was, you know, the riots, it was the event before the riots that broke out in Gujarat. A train was burned, and after that, the riots broke out in Gujarat. And when the riots broke out, we all felt very strange, almost as if our film was all eerie in its clairvoyance. Oui, en fait, ce qui est un peu intéressant également, c'est que le jour où on a terminé le tournage de ce film, c'était un 28 février. Et le 28 février, à cette même date, il y a eu des émeutes qui se sont déclarées dans le Gujarat. Et c'est incroyable, parce qu'ils ont brûlé un train, etc. Le jour où nous, on a terminé ce film, on a l'impression que c'était un signe. Oui. Yes. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez voulu montrer qu'il pouvait y avoir de l'amour au-delà des différences et que vous avez aussi montré tout le cheminement de cette jeune femme qui sort un peu, non seulement de ses préjugés, mais de sa bulle culturelle pour accéder à la différence de cet homme qui est déjà musulman, mais qui est aussi très moderne. Et on voit bien l'opposition entre ces jeunes qui maintenant ont peut-être d'autres valeurs que les valeurs traditionnelles et cette jeune femme qui n'est que dans le monde traditionnel et qu'elle ait fait des études universitaires. Ce que je voulais savoir, c'est s'il y avait beaucoup de jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui avaient aussi la position du photographe dans le film et qui voulaient, enfin, qui avaient envie de changer les choses et d'avoir une position de bouger face à ces oppositions religieuses ou politiques. Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a des mouvements importants pour changer les choses, pour un peu unifier aussi, pour s'accepter? Well, most of the time, young people in the cities, educated young people in the cities, they are not really bothered about these differences. Because India is a country that exists in many different time frames at the same time. You know, it's parts of it are in the 21st century or even 22nd century, and parts of it are back maybe in the 15th century. So it's a country that is very diverse and full of
complexities, you know. It's very difficult to explain. It's not that there are major movements, but there are continuously, there are groups of NGOs or societies who will try for this kind of thing. But what I tried to show in the film was a personal conquest of prejudice. It was an individual's conquest of prejudice. And because he had helped her so much, and she saw what kind of a person he was, and ultimately it didn't matter. That, and also they were actually, there was interdependence. She was dependent on him to survive in the riot, and he was dependent on her. So that interdependence helped. But in India, a lot of young people, yes, there are young people who don't believe in all this, but there are also young people who are part of extremist groups, like Hindu extremists or Muslim extremists. That is also there. And they have been brainwashed. And I think they just go along with the flow, go along with the tide. They're excited by it. I think it provides them excitement in their lives. Je dirais que non, en fait, il y a beaucoup de jeunes en Inde qui ont une grande éducation, une éducation très élevée, et pour eux, c'est pas du tout un souci, cette espèce de clivage qui peut exister entre les religions. Mais il faut comprendre qu'en Inde, vous avez différentes sociétés qui vivent les unes à côté des autres. Vous avez une société qui vit au XXe siècle, au XXIIe siècle même, et puis d'autres sociétés qui sont encore au XVe siècle, en fait. Et c'est très très compliqué pour ces sociétés de travailler ou de vivre pardon, les unes avec les autres. Je ne dirais pas qu'il y ait des mouvements constants, mais de temps en temps il y a des groupes, que ce soit des groupes de la société, même des ONG, pourquoi pas, qui essaient de s'affronter et qui essaient de prendre la meilleure partie de cette diversité. Il y en a toujours en fait qui sont extrémistes, que ce soit d'un côté hindou, du côté musulman. Il y a une certaine forme de lavage de cerveau aussi. Il y a des gens qui suivent le mouvement, qui suivent la marée, comme on dit, mais bon, voilà, c'est pas quelque chose qui a lieu tous les jours non plus. Ma question est un peu le prolongement de celle qui vient d'être posée. Le film, bon, n'est pas l'évolution de cette jeune femme, mais en même temps, quelque part, il finit mal, puisque chacun reste sur sa vie, enfin, la qualité est presque préécrite. Alors, je voudrais savoir si ça serait plausible d'avoir une autre fin, pas dans le film, puisque vous avez choisi celle-là, mais dans la société, avec cette jeune femme, son milieu traditionnel, et si, sur le quai de la gare, elle disait bon, ben, je pars avec lui, je cours après. Est-ce que ça serait possible? Ou elle aurait beaucoup de problèmes? Not in her case. Not, at least not immediately. Maybe much later. Maybe when she goes back home, maybe she finds that she cannot adjust. It would take her time to grow from where she was to something else. But at this point she's married, she has a child. She can't just walk out, and neither has he asked her to. He's never asked her to come, So it was just something that they had to do in order to save their lives. But in the process, I think, as the director, that they probably fell in love with each other, but they couldn't do anything about it. But maybe at a later date, they would. Who knows? Non, je pense que dans le cas particulier que je décris dans ce film, ce n'est pas véritablement possible, pas immédiatement en tout cas. Elle ne peut pas partir avec cet homme à la gare comme ça. Peut-être plus tard, quand elle rentre chez elle, elle réfléchit, elle s'ajuste, elle évolue, pourquoi pas. Mais lui, elle est mariée, elle a un enfant, lui, il ne lui demande d'ailleurs pas de partir et de quitter son mari pour elle. Donc ils se sont sauvés l'un l'autre. Peut-être par amour, mais je pense que bon, dans le cadre du film, non, elle peut pas quitter son mari comme ça. Oui, je veux dire que j'ai trouvé le film absolument magnifique, un très beau film, très fort. J'avais plusieurs questions. La première, c'est que je ne connais rien derrière.
les gens qui s'affrontent, musulmans, hindous, on a l'impression quand même que ce sont des gens qui vivent dans des aires géographiques très proches. Donc ça veut dire qu'en dehors des affrontements, si j'ai bien compris, ce sont des gens qui se côtoient. Donc comment est-ce que les choses se passent après de tels affrontements? Et est-ce que vous voyez dans l'avenir que ça puisse évoluer? Ou est-ce que vous avez, comme on le voit d'une manière moins marquée chez nous, par exemple, des responsables ou des politiciens qui surfent sur ce genre de sentiment? Et une toute autre question qui est de savoir, est-ce que, étant donné la diversité de l'Inde et en particulier sur le terrain du langage, est-ce que un film comme le vôtre est distribué dans l'ensemble du pays? Comment est-ce que ça se passe? Et puis aussi, est-ce que on va l'avoir, est-ce qu'il va être distribué en France? Well, to answer your first question first, there are Muslims in many parts of India. Now, in West Bengal, for instance, where I come from, it is not a problem. They live together in harmony. Or in Kerala, which is in the south of India, there is no problem. They live in harmony. But in northern India, they don't. There is much more problem in northern India than anywhere else in India. Maybe up to there, if you say, then I'll continue. Oui. Pour répondre à votre première question, je dirais qu'il y a des musulmans et des hindous absolument partout en Inde, mais il y a quand même des zones où il y a moins de problèmes. Là où je viens, il n'y a pas de problème au Kerala, il n'y a pas de problème. Les gens, les hindous, les indiens, les musulmans, pardon, vivent ensemble. Par contre, ce n'est pas tellement le cas dans le nord de l'Inde où il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, bien plus qu'ailleurs, effectivement. You know, after the partition, there was a huge problem, both in West Bengal, because Bengal was separated in two parts, and also in Punjab, because Punjab was also separated in two parts. One part went to India, one part went to Pakistan. There were huge problems at that time. But since then, people have tried to get over it. They have tried to live in a unified India as harmoniously as possible. But sometimes these problems suddenly surface. Alors, effectivement, après la partition, donc à l'indépendance d'Inde, il y a eu la partition, et surtout dans le Bengale, de la partie ouest du Bengale et le Punjab, il y a eu les deux régions ont été séparées en deux entités différentes, avec énormément de problèmes. Maintenant, il est vrai quand même que les gens essayent de vivre les uns avec les autres, essayent de vivre de façon harmonieuse, même si de temps en temps, des problèmes surgissent. But what politicians do, and also extremist groups, they try to take advantage, as you said, they use these elements. They try to fan the flames, and for instance, you know, Hindu, there are Hindu, very pro-Hindu groups who try to get votes by using this hatred. And similarly, Muslims also react, and they also have groups and madrasas where they preach hatred. Mais alors, évidemment, comme vous le disiez, bien sûr, les politiciens essaient de tirer le meilleur parti de ce genre de situation essaient de raviver la flamme de haine qui peut exister entre les deux groupes. Les hindous, par exemple, essaient d'utiliser un groupe pour voter en leur faveur, en agitant la haine, alors que les musulmans de leur côté utilisent les madrasas, les écoles musulmanes, etc. Enfin, bien sûr. The second question was about politicians using racism. Oh yes, right. Sorry, I forgot. This film was released all over India, but mostly in the urban areas, in the cities. And it was made on a very small budget. So we could not spend much
money on publicity, but these people liked, they seemed to like the film, and by word of mouth, it spread. You know, people sent each other emails or told each other over the phone, and so it became very popular. It, I don't know if it was, I don't think it was released in France, but it was shown on German television. And German television, I think, is shown all over Europe, so a lot of people have seen it in Europe. Oui, effectivement, ce film a été distribué en Inde, mais surtout dans villes, dans les zones urbaines. Vous savez, on avait un petit budget, donc on n'avait pas vraiment de budget pour la publicité sur le film. Je crois que c'est surtout le bouche à oreille qui a très très bien marché, qui a fait qu'il est devenu finalement populaire. Alors, quant à la France, je ne crois pas qu'il ait été montré en France. Par contre, il a été distribué en Allemagne, à la télévision allemande, et je crois qu'en France, on peut regarder la télévision allemande. Bon, le film, il est passé dans les festivals, je pense qu'il a dû passer à l'Inde, les musiques guillemets, et puis les gens qui s'intéressent au cinéma d'auteur indien n'ont pas pu passer plus loin. Yes, it was shown in many, many festivals and it got about, I don't know, something like 11 international awards. So it was shown in Locarno, yes, and it was shown in other festivals also, a lot of different festivals, and got a lot of awards there. But this was some time back. This film was completed in 2002, and I think it was released in 2003, so that's 10 years ago. That's why, because it was not made on digital, that's why you're seeing this film on the print in this condition. Mais je crois que ce film a été effectivement distribué et montré dans de nombreux festivals. Il a obtenu jusqu'à 11 récompenses dans divers festivals. Mais le film date de 2002, il est sorti en 2003, donc il a maintenant 10 ans. C'est la raison pour laquelle il n'est pas sur un support numérique. Avec les sous-titres pas fameux. Autrement dit, bonjour. Comme tout le monde, j'ai beaucoup aimé ce film, mais moi en particulier, j'ai beaucoup aimé l'usage de la musique du style de Trooper que vous avez utilisé dans ce film. Au moment de tension. Vous êtes bengali, votre fille aussi, mais vous avez fait un film extrêmement intéressant sur le milieu donc du sud de l'Inde, notamment dans le milieu de la famille traditionnelle ailleurs en Tamoul. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que vous avez procédé à une étude particulière? Et une deuxième question que je voudrais vous poser, vous avez fait également un autre film aussi intéressant que celui-ci, qui s'appelle Japanese Wife. Et ce film Japanese Wife, moi je suis sûr que les Français adoreront ce film. You know, I've always wanted to have Japanese Wife shown in France. I really feel that it is a film that would appeal here. But it was not marketed well. I have not been very lucky with the marketing of my films. So when people have got to see my films, in order to like a film, the audience has to see it. That's the problem. So I have not been able to get my films across to audiences all over the world, mainly because I'm not very good at it, and I think my producers or distributors have not really marketed my films well. The Japanese Wife, I've given her a copy of, and I'm hoping that at some stage the Japanese Wife can be shown here. What was the other question? Regarding the south of India. I've been there. I've been to the south of India. The south has always appealed to me because I find in South India a combination of tradition and modernity.
It's very strange because sometimes you will get the best scientists of India from the south, but at the same time they believe in the caste system. I find this this a very complex situation, and I find it very interesting. And I have many friends in the south of India, so I've gone and spent time there. I've done a little research. I've done all that. And as far as music is concerned, it's by Zakir Hussain, the great tabla player. He did the music. And we used this Dhrupad for this scene because we felt that it worked very well. Alors, en ce qui concerne mon autre film, effectivement, Japanese Wife, j'aurais adoré qu'il soit distribué. Maintenant, j'ai pas eu de bon marketing sur ce film, si vous voulez. Je pense que pour qu'un public aime un film, il faut qu'il voit ce film. J'ai jamais vraiment pu le montrer. J'imagine que je ne suis pas moi-même très très bonne en marketing. J'ai jamais pu trouver une bonne distribution pour Japanese Wife. Maintenant, la deuxième partie de la question, le sud de l'Inde. Je ne suis pas du sud de l'Inde, mais je connais bien cette région. J'y suis souvent allée. Et je pense que c'est une région qui est à mi-chemin entre la tradition et la modernité. C'est-à-dire qu'en même temps, ils ont les meilleurs scientifiques du pays dans cette partie de l'Inde, mais ils ont également encore un système de caste. C'est une région très complexe, très compliquée. J'ai beaucoup d'amis là-bas. J'ai passé beaucoup de temps dans cette région. J'ai fait de la recherche, bien sûr. Et puis, quant aux musiciens, bah, écoutez, la musique que j'ai utilisée, c'est sans doute la meilleure que j'ai pu trouver dans ce film. Bonjour. J'ai une petite précision à demander sur une des scènes du film où on voit une personne poursuivie par six autres qui est égorgée. Dans la vision de la scène, on n'identifie pas les agresseurs et les victimes, on ne sait pas quelle communauté ils sont. Est-ce que j'ai raison ou est-ce qu'il y a un signe vestimentaire qui permet d'identifier la communauté des victimes? La deuxième question, c'est où est-ce que ça a été tourné? First of all, if they are local people, then they actually know. And secondly, the Muslims are often dressed differently. They will wear something called a lungi, which is like a sort of sarong but worn from the waist. This is how most not very wealthy Muslims will often dress, and so they would know by that. And also they know the local people in the area. They know who's Muslim and who's Hindu. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en règle générale, ce sont des gens qui sont locaux de toute façon, donc ils savent les uns les autres qui est musulman et qui ne l'est pas. Donc j'imagine que cet homme, il est connu. Et ensuite, les musulmans, très souvent, dans cette région, sont habillés avec ce qu'on appelle la lungi, c'est une espèce de sarong qui part à partir de la taille. Enfin, c'est une façon un peu particulière de s'habiller. Ça, c'est une chose, mais c'est surtout parce que localement, les gens se connaissent. Donc, savent qui est musulman et qui n'est pas. The victim was a Muslim. Musulman. La victime était musulmane. You see, when what happens is, when some Hindus are killed, Muslims will react and kill when a Hindu is killed, Hindus will react and kill Muslims. Then that again sparks off and Muslims will kill Hindus. So this goes on in a cycle. Ce qui se passe, c'est que quand un musulman est tué, les Hindous vont réagir et vont tuer les musulmans. Quand un hindou est tué, enfin bon, voilà, c'est un cercle vicieux. Et ça, à chaque fois que quelqu'un d'une communauté est tué, l'autre communauté réagit. Voilà. Oui, bonjour. Je vais poser la question en anglais, je traduirai après en français. I would just like to ask, where was the film, where was it shot? Where in India? Okay. Je vais juste demander où le film avait été tourné en Inde. Where do they live from, the day of birth, and where do they start? Where was it shot? Yeah, where was it shot? Okay.
You know, it was, we shot it in the foothills of the Himalayas, a place called the forest was a forest of a forest reserve. I mean, it was a reserve forest where it was what do you call it? Like a national park. There was a guest house there. Actually, the guest house was a very nice one, but we had to pull off the linoleum and pull off the carpeting and make it broken down, and we had to, then of course we restored it. We then repainted it and put in new linoleum and everything else, and we restored it. The place, most of the place, was actually around the foothills of the Himalayas. Mais c'est au, au pied de l'Himalaya, en fait, qu'on a tourné la plupart de ce film. C'est dans une forêt qui est une réserve naturelle, un parc national. Et c'était dans une, en particulier, la, toute la maison. C'est ce qu'on appelle une guest house en Inde. C'est une maison, je sais pas comment, une maison d'hôte, voilà. Que pour les besoins de la cause, on a dû enlever les, de la moquette. Enfin bref, on a un petit peu détruit ce qui était. Puis on a repeint après. Actually, we I didn't specify in the film the exact geographical location of where they were traveling from, just that they were traveling to Calcutta. The reason for that is that I felt that this could happen anywhere. It can, in fact, not only in India, it can happen anywhere in the world. Voilà, dans le film, je ne dis à aucun moment très exactement où, d'un point de vue géographique, se situe l'action, parce que c'est juste, ils font un Calcutta, voilà, ça c'est la seule chose que l'on sait, parce que je crois que c'est pas, enfin, c'est important de se dire que ça, ça peut arriver n'importe où dans le monde. Voilà, donc il n'y a pas de lieu géographique particulier mentionné dans le film. Yeah, maybe not between Hindus and Muslims, but between some other communities. Ce genre de problème arrive peut-être pas forcément entre les hindous et les musulmans, mais entre d'autres communautés également. Je voulais savoir, apparemment, est-ce que le personnage, ça vous tenait à cœur que le personnage masculin soit photographe? Est-ce que c'était pour le symbole qui lui apprenne à regarder autrement? Ou est-ce que c'était aussi pour qu'il lui laisse à la fin un moyen de retrouver? I've been asked this question, why a photographer? Because there has been a photographer in my earlier film also, and my answer has always been because I find them sexy. C'est en plus sur la question de savoir pourquoi c'est un photographe, et pourquoi dans d'autres films j'ai dit photographe parce que je les trouve très sexy. Je suis complètement d'accord. And also, on a more serious note, it's a way of, it's another way of looking at the world. Et parce que aussi, ils ont sans doute une autre façon de regarder le monde. But you have chosen the good actor and actress anyway. Now, I was telling you, you are selected the good, best actor and actress. Thank you. It was pleasant.